video, we are going to interview a captain of a boat who is French, working on your listening comprehension skills. Salut, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy, and I have the pleasure of being here with David. So I'm a captain, I'm French, and I've been living in Long Beach for 5 years. On y va? Ouais. Allez, let's go. Alors David, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis skipper ou capitaine. Okay. Donc, skipper, c'est un mot anglais, mais c'est le mot plutôt qu'on utilise en France. Et ici, on dit captain. Donc, j'ai à disposition un bateau, qui n'est pas le mien, que je prends. J'emmène des gens pour des tours en mer. Généralement, c'est pour célébrer des anniversaires ou n'importe quel autre événement. Et parfois, je travaille sur d'autres bateaux, des bateaux à moteur, des yachts à Marina del Rey. Et en l'occurrence, là, on est à Long Beach. Et voilà, et on fait un tour de Long Beach, on va en mer, parfois on voit des dauphins. Aujourd'hui on a vu un poisson lune et ça dure 3, 4, 5 heures ou aujourd'hui 8 heures. Et parfois on part à Catalina pour plusieurs jours et les gens dorment à bord. Ah, c'est excellent quoi. Je connaissais pas ce terme skipper, vraiment, enfin en plus c'est vrai que comme tu disais, c'est vraiment, on dirait que c'est un truc anglophone et qui a été adopté dans la langue française, c'est génial. Merci de me faire découvrir un nouveau mot, d'ailleurs justement en tant que prof de français j'aurais connaître le mot, mais merci de me faire découvrir. Ben de rien, ça fait plaisir que vous soyez à bord aujourd'hui. Alors du coup, quelles sont les responsabilités, le rôle d'un skipper? Alors, bah, la première responsabilité c'est de s'assurer que tout le monde est en sécurité. Donc ça, c'est pour ça que j'ai une licence, j'ai un diplôme des US Coast Guard, des gardes-côtes américaines. Et donc la safety first, la sécurité avant tout. Ensuite, il faut avoir un service client au top. C'est-à-dire que les gens ils sont là pour passer du bon temps. Si on les plombe par trop de sécurité, c'est pas marrant. Donc moi mon rôle c'est vraiment de s'assurer qu'ils s'éclatent à bord et en même temps discrètement de m'assurer que tout est en ordre. Et qu'ils ils prennent pas de risques. De loin, j'ai vu la queue d'une baleine. Ah, c'est excellent! Ouais, c'est trop bien. En fait, je suis allé là-bas parce que je sais que là-bas, c'est là où elles passent, les baleines. Ah, il y a un trop bon. Parce qu'il y a, c'est, en fait, il y a un canyon sous-marin, ça passe super profond. Ouais. Ouvrir la voile d'avant qu'on appelle le génois. Il y a beaucoup de vent. Cheat buzz! Hey guys, if you're getting value out of this video, make sure you click that subscribe button for me. On continue! Donc la voile, la grande voile, elle va passer de l'autre côté, d'accord? D'accord. Et la petite voile, elle va aussi passer de l'autre côté. Donc ce que je vais faire pendant qu'on tourne, je vais vite fait aller de l'autre côté là, et puis je vais reprendre. L'écoute, enfin, c'est-à-dire la corde noire et blanche, d'accord? D'accord. Alors du coup David, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le matériel dont tu te sers, des petits termes qu'on pourrait peut-être apprendre? Alors, il y a des choses qui sont... Il y a une chose qui est similaire à la voiture, c'est le GPS. Ah. Donc j'ai un système de cartographie, un peu comme Google Maps, sauf que c'est la carte de la mer. D'accord. Deuxième chose dont je me sers beaucoup, c'est un pilote automatique. Donc quand je fais toutes mes manœuvres, quand je dois aller m'occuper des clients, j'appuie sur un bouton et je dis au bateau d'aller dans telle direction, comme ça j'ai pas à m'en occuper, tout en gardant un œil autour. Donc, je suis en train de faire. Ouais, j'ai vu ça déjà plusieurs fois déjà. Et puis après c'est s'occuper des voiles.
Bon, j'adore naviguer et mettre les voiles dehors. Les clients, ils aiment ça aussi parce qu'ils trouvent ça trop cool de... C'est magnifique. Les gens aiment sentir que le bateau, il navigue de lui-même sans le moteur. C'est un truc qu'ils trouvent trop cool, qu'ils ont l'impression de voir Pirates des Caraïbes, etc. Ouais. Donc je m'occupe de ça. Et quand on est à l'arrêt, bah, je mets le paddleboard à l'eau, je mets le canoë à l'eau, je m'assure qu'ils vont bien, je discute avec eux aussi, ça fait partie du job. Ah, c'est excellent, c'est une énorme expérience, tellement de découvertes, je kiffe. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire une petite journée typique? Alors, donc j'ai préparé à l'avance mes réservations. Et le jour de la réservation, généralement il y en a deux le week-end. Donc j'arrive minimum une heure avant le début du tour. Je nettoie le bateau parce que bon, il y a toute la poussière qui s'accumulait pendant la semaine. Je renettoie les toilettes, je mets sûr que le bateau il est prêt. Et puis généralement les clients arrivent 10 minutes avant le début du tour. Et puis je les accueille à bord, je leur dis où est le frigo, où est-ce qu'ils peuvent ranger leurs affaires, ils prennent leur place, ils découvrent, et puis après je leur fais un speech d'introduction de 5 minutes où je leur explique ce qu'il faut savoir sur le bateau, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, et je leur fais signer un document, un contrat. Donc voilà, et le deuxième groupe, après je lave le bateau entre les deux groupes. D'accord. Et puis rebelote pour le deuxième groupe. Voilà, et une fois que les tours sont terminés, avant d'entrer chez moi, je donne un coup d'eau sur le bateau pour le rincer. Et puis voilà, je m'assure que tout est clean. Voilà. C'est super. Et du coup, si les gens ils voudraient prendre rendez-vous, donc je peux tout ce qui est coordonné, tout ça, je mets ci-dessous. Et tu pourrais du coup faire un petit tour en français avec des personnes qui aimeraient découvrir Long Beach en bateau. Tout à fait, j'ai des amis qui sont français qui sont déjà venus, parfois j'ai des clients français, donc je fais tout en français, je fais ma langue maternelle, donc voilà, je parle très bien français, et puis je connais très bien Long Beach, Long Beach c'est intéressant par rapport à la baie de Santa Monica, parce qu'on a une digue au large qui protège de la houle. D'accord. En fait on est toujours protégé comme un grand lac, ouais. Salé. Et puis on a ces petites îles où on peut mettre l'ancre, on est protégé des vagues et du vent, et on peut jouer avec le paddleboard, etc. C'est magnifique, c'est splendide. Guys, if you enjoyed this boat tour exploring Long Beach, make sure to check this other video exploring a walking tour discovering historic San Diego. À très bientôt les amis. Salut.